Hey yo tout le monde, c'est Nexis, on se retrouve sur l'épisode 22 de Tales of Xillia, où je vous avais laissé la dernière fois en plein milieu des mines de Fel'Ghana, où il fait très sombre. On va se mettre par là, regardez, on a plus de lumière, c'est bien, hop, on a plus de lumière, on voit quand même mieux. Et je vous avais laissé la dernière fois, il y avait, souvenez-vous, ici, le fameux fossile spirituel qui allait permettre à Mila d'utiliser l'Aspyrexis pour retrouver l'usage de ses jambes, sauf que bah il a disparu et que Leia est partie en avant, et ensuite elle est revenue dans l'équipe puisqu'elle est juste là. Et notamment j'ai vu que, regardez-moi le nom de la zone, mine de Fel'Ghana intérieur du puits numéro 4, nid du monstre. Ça, c'est la zone suivante, nid du monstre. Je me doutais qu'il allait y avoir un truc de ce genre-là. J'en étais sûr. Wow. Look at this place. It's surreal. You hear that? All the sounds. They keep getting louder and softer. Watch yourselves. It's so pretty. Watch out! Get back, Leia! Huh? Look out! Jude! What's that? Look at its head, Jude! Is that the spirit fossil? Leia! Don't get too close! Don't worry, Jude. I'll get that fossil. Watch this! C'était... En soi-même, c'était... C'était tellement très... Ah, tellement prévisible. Bon, par contre, d'accord. Alors déjà... On va se renforcer. Alors, par contre, j'arrive pas à te toucher, monsieur. Voilà, c'est bon. Tiens, prends-toi ça. Ok, il a peur d'avoir tant de vie que ça en fait, ça va, c'est pas non plus Oula, ok, je suis sonné, enfin on est sonné même. Allez, tiens, prends-toi ça. Qu'est-ce que ça fait L1 déjà, si je maintiens L1? Je fais des trucs bizarres. Ok, ça va, je lui ai retiré pas mal de vie déjà. Allez, hop, on y va. Allez, on y va. Ah, je me disais pourquoi ça marche pas, mais je n'ai plus en effet. J'avais plus assez de... Vas-y, fais le volet. D'accord, Jude, je sais pas ce que tu as décidé de faire. À part quelque chose qui ne sert à rien. Ok, tu vas te calmer maintenant, monsieur. Tiens, prends-toi ça. J'ai pas peur de toi. Ok, mes renforcements ont disparu. Ça ne m'arrange pas du tout. Tiens, prends... Et voilà. Ouh, eh ben, c'était vraiment aussi très close de passer de niveau quand même. Hein. Ok, le combat s'est très bien passé. All right, now let's go grab the fossil. Oh. Careful, wait. Come on, the hard part's over. Yes, we did it. Look out, dude, Leia. You're going to pay for that. Get away from them, you beast! Et ben voilà, la composition de votre équipe a changé, vous pouvez désormais développer vos orbes de lys. Oh bon, c'est gentil, au moins il nous laisse la capacité de... Ah bon, plus ils lui ont donné un niveau de plus qu'à nous. Bon, écoutez, tant mieux. Alors déjà, Mila a donc récupéré l'usage de ses jambes, c'était sublime. Moi j'ai bien aimé la façon dont ça s'est fait. L'orbe de lys s'est agrandi, très bien, et on va pouvoir récupérer une Mila... au maximum de ses capacités, ton orbe est là-haut, d'accord. Hop. Et je sens qu'elle est un peu vénère, là. Mais là, elle est sur les nerfs, elle a besoin de se défouler. Bon, en tout cas, ça a marché. Ça avait pas l'air si terrible que ça, la douleur, finalement, de l'Aspyrexis. Allez, s'il te plaît. Voilà. Ok, logiquement, on peut encore prendre deux. Garde aquatique. Je vais passer vite fait dans les capacités juste après, si je peux. Parce qu'en effet, elle a un niveau de plus qu'eux, donc, que Jude et puis Leia, donc forcément. Mais elle avait un niveau d'avance? Non, je crois qu'elle était à...
Elle était un peu en avance sur Jude, mais pas énormément. Hein. Hop, elle a déjà fini la moitié de... La suite, j'ai l'impression que... Non. Non, c'est bon, il manque rien. Capacité 1000, là, t'as combien de... T'as 39 points à mettre. Déjà, tu vas prendre ces deux-là. Endurance, augmente le PV max de 5. Esprit, augmente le PT max de 5%. Alors, attendez, je vais regarder déjà ce que j'ai d'autre. Alors, pas aérien, appuie sur 4, tout un... alors, qu'est-ce que je peux activer? Ça, j'ai d'accord. Réduit 5% le temps de récupération après un saut. Ça, c'est bien. Haute voltige, je peux me récupérer un point de ça tous les 7 coups. Ça, c'est bien. Mais ça est à 4 points. Qu'est-ce que t'as à 4? Combo aspiration ou esprit, endurance, PV max, PT max. T'as combien en PT? T'as 166. Voilà, on va prendre ça. Et c'est très bien comme ça. On y va. Quittez le menu. Allez, c'est parti. Ok, on recommence. Je me mets en... Là, pour l'instant, je suis en garde. Allez, hop. Allez, ça fait longtemps que j'étais pas en lien avec... Donc je me suis pas mis en lien avec Mila. Puis je... Allez, allez, allez. Par contre, non, j'aimerais... Ok, on va se mettre avec elle pour... Voilà, et faire ça déjà en premier lieu. Renforcer un peu tout le monde. Ok, toi maintenant j'ai compris comment tu marchais. T'as beaucoup plus de vie qu'avant, mon gars. Hein. Je sais pas ce que c'était que ça. Tiens, prends-toi ça. Bon, j'aimerais que, s'il te plaît, Leia, tu évites de nous bouffer tout le stock d'objets, ça serait gentil de ta part. Mila qui essaie de placer une maîtrise sur ce truc. Ça sert à rien, Mila. Allez, allez. Allez, hop, on va frapper, on frappe, on frappe. Ok, j'ai compris. Ça, c'est cette technique-là, j'ai compris ce qu'il nous faisait. Donc, voilà. Hop là. Ça n'a servi à rien, mon gars. Ok. Attendez, hop. Ça aurait été sympa s'il n'avait pas plongé au moment où je l'ai fait. On va essayer de l'en faire un peu après. Allez, tiens, prends-toi ça. Je me mets en garde, on sait jamais, même si ça n'a l'air de servir à rien. Ok, ok, il est un peu sonné. Ah, il est beaucoup plus résistant maintenant qu'on est 3. Hein. Faut pas abuser, je me ferai pas avoir plusieurs fois, voilà. J'ai pas. Faudrait que je compte combien de fois il remonte à chaque fois, parce que ça a l'air d'être une suite précise. Est-ce que je peux juste, rapidement... Modifier mes arts, je peux ou pas? Ah, mais je peux modifier mes arts. Genre, si je remplace ça par coup de paume. Ah, d'accord, bah au moins, c'est bon à savoir. Oh, ouais, voilà, ça fait du bon dégât, le paume strike. Mais le paume strike, le meilleur artelier de le paume strike, c'est avec Alvin, je pense. Donc on va essayer, je sais plus s'il est, c'est un artelier avec Mila, on va essayer quand même. Ouais, c'était quoi déjà? Ah oui, bah oui. Bon, ça reste beaucoup moins puissant que le coup avec Alvin. Hein. Mais je voudrais, faudrait que je réessaye les... Ok, c'est bon. Ok, ok, on reste concentré. Il recommence directement lui. Par contre, Leia, elle a déjà plus du tout de points d'action, enfin de points techniques. Tiens, prends-toi ça, mon gars. Ok, c'est bien. On gère quand même le combat, ça va. Mais c'est vrai qu'il a pas mal de vie. Même pas peur, vas-y, qu'est-ce que tu prends, toi? Oh non, il nous a ralenti. Ça, c'est nul, mon gars. Ça, c'est vraiment, vraiment, c'est très petit de ta part. Qu'est-ce que j'ai pour soigner ça? Soigne toutes les affections physiques, j'ai pas autre chose. Restore, restore, restore. Ouais, bah non, j'ai que la fille de le panacée. Voilà. C'est peut-être abusé d'utiliser carrément une fille de panacée pour ça, alors que ça a l'air d'être un truc qui reste pas très longtemps. Ok, maintenant que j'ai vu que je peux éviter de tomber, de vraiment tomber
en esquivant par le biais de la défense qui permet de me relever pendant la chute, ça c'est pas mal. Allez, allez, on y va. Tiens, prends-toi ça. Ouh, il a fait mal celui-là. Ça, tu l'as senti passer. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il fait de la natation synchronisée lui. Ah, mais arrête. Allez. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'étais KO? D'accord. J'ai pas fait gaffe. Je ne peux plus gagner. Ok, j'ai l'impression que... Oh. D'accord. Je suis mort déjà deux fois durant ce combat. Et j'ai l'impression qu'il perd plus du tout de vie. Combien t'as de vie, toi? 3233 encore à retirer, d'accord. Ouais, mais en même temps, si je lui fais 8, en effet... Alors, objet, on va se remettre un peu de vie. Voilà. Allez, tiens, prends-toi ça, mon gars. Combien te reste? Encore 2000. Ok, maintenant des pierres. T'as combien de capacité? Allez, on est presque, allez. Allez. Bon, Mia, elle est presque KO. Mais ah, il veut pas rester là. Ça y est, t'as fini? Allez, allez. Voilà. Mon Dieu. Ouh, il était chaud ce combat. Hein. Tout le monde est monté de niveau. Niveau plus, niveau plus, niveau plus. Parfait. You were able to use the Asperixis. Whoa! Goodness. This is some device you humans have come up with. How bad's the pain? Well, it's not worse than I imagined, but it's considerable. I'm sorry. I should have been more careful. But you retrieved the spirit fossil for me. If anything, I'm in your debt. Thanks. Let's get back to town. I'll get the wheelchair. Good. Still in one piece. Even with the Asperixis, Mila won't be able to complete her mission without someone's help. And that means... I know what I have to do. Sorry. I think I'm at my limit. Mila! Don't worry. She just passed out. I don't mind pushing the wheelchair on the way back. Okay. Why the sudden burst of compassion? Why? Is there anything wrong with it? Well, no. Just unexpected, I guess. What can I say? I'm feeling really inspired by your friend here. Ok, événement mis à jour, membre du groupe modifié, titre obtenu. Bon, Mila est redevenue invitée, ça m'étonne pas, c'est complètement évanoui après ce combat. Mais elle a retrouvé l'usage de ses jambes, ce qui est pas mal. Ouais. Ça fait le deuxième trophée, j'ai pas gagné tant de trophées que ça. 15 heures de jeu pour gagner 2 trophées, merci bien. Merci le jeu d'être si méchant. Hop, turbo, ça fait quoi turbo? C'est quoi? S'il te plaît. Augmente 25% la vitesse de déplacement en combat. Tiens, si je peux activer ça rapidement. T'as combien de points, toi? 8, turbo. Ça coûte 3. Boum, ça va être pratique, ça. T'as encore 5 points, tu peux activer encore quelque chose, voyons. T'as quoi? Attaque mirage, c'est quoi? Maintenant, ah, d'accord. Ok. Ah, bah non, c'est 9. Tiens, mets ça. Combo respiration 4, permet de récupérer 1% de PT tous les 9 coups. C'est mieux ça. Voilà. Orbe de lys de Leia. J'en peux plus avec leur nom, Leia, Mila. Pourquoi ils s'appellent toutes pareilles?
Elle pouvait pas s'appeler Steve. Ça aurait été vachement plus simple quand même si elle s'était appelée Steve. Pur hasard, qu'est-ce que c'est? On prend 25% de chance d'obtenir le double de guild après un combat. Ouh, je veux. Voilà, ça c'est bien ça. Et combo aspiration, parfait. Mila, d'accord, je peux pas toucher aux capacités de Mila ou quoi que ce soit. Un petit trésor. Et on va pouvoir remonter en ville pour aller se faire engueuler par le papa de Jude. 4000, mais j'ai... Combien j'ai d'argent? 27000. Wouh! Oui, c'était un bruit. J'espère que je n'ai pas défoncé vos oreilles, sinon je m'en excuse. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais récupérer? Ça a l'air d'y avoir un renfoncement ici. Ça mène où, ça? Nulle part. Très bien. Il n'y a qu'un seul chemin. Ça... D'accord. Bon, je pense que j'ai fait le tour. On va pouvoir rentrer en ville. Même si je suppose qu'il faut que j'en fasse tout le tour de la mine. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Allez, on est parti pour faire tout le tour de la mine. Je vous couperai les combats s'il y en a, on va se dépêcher de ressortir, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la suite de l'histoire. Bah voilà. Ah là là, bon voyons, j'étais passé par où moi? Par là ou pas? Pas du tout. Enfin bon, on va creuser, c'est pas grave, de toute façon c'est un chemin comme un autre. Comme ça, ça nous en libérerait un de plus, tout simplement. Dans l'hypothèse où il faudrait revenir ici, on ne sait jamais. Allez, on va se faire engueuler quand on va revenir. Le papa de Jude, il va nous tuer. Allez, allez, ouvre-moi ça. Voilà, un chemin de libéré. Il va tellement nous défoncer. Alors, j'étais passé par où? En fait, je crois que j'ai fait un grand tour pour rien, moi. Je crois. Hein. Ah non. Non, non, il fait obligatoirement que je passe là. Ok, on va passer ici. Non, d'accord, c'est ouvert. J'ai cru qu'il y avait encore la pierre. C'est bon. Ah, oh, mais zut alors! Mais donc, j'ai eu du mal pendant ce combat, j'étais empoisonné, j'ai failli y passer. J'ai pas d'antitode, donc tu vas prendre une fiole de panacée encore, voilà. Je gâche mes fioles de panacée à un point, c'est pas possible. Oui, je m'arrête pas non plus devant le truc. Tiens, il y a quelque chose à ramasser ici. Hop, de l'herbe. Par contre, je sens qu'au développement, je vais peut-être pouvoir obtenir pas mal de choses, c'est bien possible. Ok, alors on retourne par ici. Par là, je devais aller où? Oui, ça, le chemin est pas très compliqué ici. On devrait aller assez vite, quand même. C'est ce que j'aime bien, c'est que les cartes en elles-mêmes paraissent être grandes quand vous les parcourez, ce qui est agréable. Et pour autant, c'est assez rapide à traverser. On va faire un petit combat ensemble. Bon, on a avoir une plus dans ce combat. Ces ennemis-là sont pas très, très dangereux. Ah, mais arrête! Sachant qu'ils sont très sensibles aux dégâts d'air. Donc, on va y aller tranquillement. Non mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très agréable de parcourir un endroit, et c'est rapide à traverser, mais ça reste grand en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai du mal moi-même à me comprendre parfois, je ne vous en voudrais donc pas. Le cas échéant. Tiens, prends-toi ça. Je fais toujours le même parce qu'ils sont sensibles aux dégâts d'air, donc bon. Sa vulnérabilité au vent et résistance à la terre. Liaison idéale avec Rowan. J'avais pas vu qu'il y avait le principe de liaison liaison idéale. Ah, ils sont tout juste sur le point de monter de niveau, les deux. Par là, oui, c'est ça. Hop, par là. On va se faire engueuler par le papa de Jude. Alors, ici, c'est la zone où je suis resté bloqué à l'épisode précédent, alors que c'était très simple, mais que bon, c'est tellement sombre que je voyais pas du tout le rocher, où est-ce qu'était le rocher qu'il fallait détruire. Ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Je m'en veux déjà moi-même. Oh, nouvel ennemi, on l'a pas combattu, lui. Allons-y. On le connaît pas, lui. Le gros chat, là. Qui a beaucoup de vie. Aucune vulnérabilité, liaison idéale avec Mila. Mais Mila, elle est pas disponible pour le moment. Tiens, prends-toi un Palm Strike. T'aimes pas le Palm Strike, hein. Palm Strike. Tiens. Je t'en demandais pourquoi mon truc il montait pas à côté, mais oui, en même temps j'étais pas en lié avec elle. Voilà, vole-le. Voilà, parfait. Et boum. Voilà, on est quasiment monté de niveau. Alors, on va rentrer, on est presque arrivé. Hop, je prends là-dedans moi, aile d'insecte. On n'aura pas fait grand chose cet épisode, hein. Le combat de boss aura pris presque la moitié de l'épisode à lui seul. D'ailleurs, je pense qu'il a bien pris la moitié de l'épisode à lui seul, ça ne m'étonnerait pas.
Donc retournons en ville pour les 10 dernières minutes de ces petits épisodes. Ça va mal se passer. Mila, you're awake. Thank goodness. Jude. Are you okay? Is anything broken? You went to the mine, didn't you? Why didn't you tell us? I'm sorry, Mom. Jude! Honey, don't! What if something had happened to the girls? Did you think at all before charging off? I did whatever I could do to help. I tried, unlike you, Dad. Why, you little... Please don't be so hard on him. He did well accomplishing his task. You're on your feet. Thanks to these two. Try not to overdo it now. Hurry up and get back into the chair. Right. Darling. Leia, take her to the clinic at once. Yes, Doctor. Well, you know what, Mila? You're gonna need some serious physical therapy. Right. Sorry to be a burden, Leia. Hey, no worries. That's my job. Jude, are you okay? Yeah, I'm fine. Bon, ça s'est pas si mal passé que ça. Alors, bah ça ne me dérange pas que les jeunes soient imprudents, c'est ça la jeunesse, mais n'oubliez pas de vous sentir un peu coupable pour tous les vieux que vous dérangez avec vos bêtises. D'accord. Bonjour. Leia, Jude, on ne bouge plus et on m'explique ce qui se passe. D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est les parents de Leia, elle. C'est la mère de Leia. Jude, c'est vraiment qu'un crétin, c'est quoi cette idée de vouloir s'introduire comme ça dans cette fichue mine? La prochaine fois, elle me cherchait d'abord, on ira ensemble, imbécile. Mais t'es toujours aussi bizarre, toi. Toi, t'es le bipolaire de la dernière fois, t'es toujours bizarre. Toi, tu veux pas nous parler, toi, t'as rien à nous dire. Tu te rends compte à quel point c'est inquiété pour toi? Non, fais plus jamais une chose pareille. Je parie que tu t'aurais pris un sacré savon, pas vrai, Jude? En fait, tu as trouvé quelque chose d'intéressant, la mine? Non, à peine. Toute la vie de te chercher, ne fais plus jamais une bêtise pareille. Je suis tellement soulagé que tu n'es rien. Salut, Jude, salut, Leia, vous revoilà déjà? Vous n'étiez pas parti en amoureux, vous cachez dans les mines, un truc du genre? Rendez-vous à la clinique, oui, mais d'abord on va aller faire les magasins. Et après on ira à la clinique pour mettre fin à cet épisode. Alors, bonjour. Développer les magasins. Oula, toi tu vas te développer toi. Oh. Oh, tu vas bien te développer toi. T'es au niveau 22 et tu prends 4 niveaux, tiens. Boum. Et tu... Oh, je gagne que le remède, ouais. Par contre, remède ça a l'air pas mal. Ça donne rien du tout. Voilà. Magasin d'armes, qu'est-ce que j'ai à te donner, magasin d'armes? Oh, j'en ai pas mal. Est-ce que ça suffira? Oui, au moins un niveau déjà. Ok, bâton de tempête. Ça sera pour Elise quand elle reviendra parmi nous. Maelstrom, ça sera pour Rowan, je crois. Je crois que c'est pour Rowan. Toi, bah non. Et toi, magasin d'accessoires ou alimentation? Je préfère accessoires. Tiens. Et prends ça également. Voilà. Parfait. Sur ce, je vais pas regarder tout de suite. On va remonter rapidement à la clinique et on mettra fin à notre épisode. D'ailleurs, j'hésite même à mettre fin tout de suite parce que... Voilà, pour reprendre tranquillement la prochaine fois, on va faire un épisode plus court aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Puisque je pense qu'avec un combat de boss, on a bien avancé. Voilà, donc je sais que l'épisode est plus court. La prochaine fois, on compensera ça, je pense. J'espère en tous les cas que cet épisode vous aura plu avec un combat mouvementé. Et la prochaine fois, on ira voir ce qu'il est advenu de Mila maintenant qu'il faut qu'elle fasse une petite rééducation. Merci à tous pour avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. On se retrouve plus vite pour la suite de notre aventure sur Tales of Xillia. Et bye tout le monde!